sont des nutriments essentiels à notre alimentation. Depuis qu'on est petit, nos parents insistent à nous faire manger des aliments riches en protéines. Mais pourquoi? Qu'apportent-elles de si important à notre organisme? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut avant tout comprendre ce que sont les protéines. Les protéines sont des molécules que l'on retrouve dans tous les organismes vivants. Le rôle même des cellules de notre corps est de fabriquer des protéines essentielles au bon fonctionnement de notre organisme. Mais si nos cellules s'en occupent déjà, pourquoi en consommer davantage dans notre alimentation? Eh bien, on peut comparer les protéines à des petits colliers de perles composés de différents types de perles nommés acides aminés. Lorsque notre système digestif dégrade ces colliers de perles, bien, les perles, les acides aminés, sont récupérés afin de former de nouvelles combinaisons de protéines, donc de nouveaux colliers de perles. Nos cellules ne peuvent produire que quelques-unes de ces perles, mais notre organisme a besoin de l'ensemble des perles afin de produire une plus grande combinaison de colliers et donc une plus grande variété de protéines. C'est dans une alimentation variée et riche en protéines que nous pouvons puiser cette variété d'acides aminés dont notre organisme a besoin. Voici quelques exemples de protéines essentielles fabriquées par les cellules de notre corps. Il y a l'hémoglobine, qui est une protéine fabriquée par les globules rouges du sang, permettant le transport de l'oxygène par celle-ci. Il y a le collagène, qui permet à la peau d'être résistante et de cicatriser en cas de blessure. Il y a la mélanine, qui est produite par les cellules de la peau, les mélanocytes, et qui permet justement de protéger la peau contre les rayons du soleil. Il y a l'actine et la myosine, qui sont deux protéines essentielles à la contraction musculaire et justement fabriquées par les myocytes, les cellules musculaires. Et finalement, il y a l'insuline, qui est une hormone protéique fabriquée par les cellules du pancréas et qui permet la métabolisation des glucides dans le sang. Les protéines peuvent donc avoir un rôle de transport, comme dans le cas de l'hémoglobine, un rôle de structure, comme pour le collagène, un rôle moteur, comme pour la myosine et l'actine, ou un rôle messager, comme dans le cas de l'insuline. Les protéines sont principalement digérées dans l'estomac. Une enzyme nommée pepsine découpe en acides aminés les protéines ingérées. Une fois dans l'intestin grêle, ils sont absorbés dans le sang et transportés dans différents organes du corps afin que les cellules les transforment en protéines utiles à notre organisme. Voici une petite expérience qui permet de déterminer s'il y a des protéines dans les boissons suivantes. De l'eau, du lait de vache, du jus de tomate, du lait de soya, du jus d'orange, du lait d'avoine et du lait de cajou. Pour ce faire, je vais utiliser un produit chimique nommé le BCA qui colore en mauve les produits contenant des protéines. Je vais donc rajouter 2 ml de BCA, la solution révélatrice de protéines, dans chacune des boissons et voyons voir ce que ça donne. On peut le constater, les boissons qui sont devenues mauves sont le lait de vache, le lait de soya, le lait d'avoine ainsi que le lait de cajou. C'est parce que ce sont des produits qui contiennent des protéines. L'eau, le jus de tomate et le jus d'orange n'en contiennent pas. Ils ne sont donc pas devenus mauves. Comme nous avons pu le constater, les sources de protéines sont multiples. On peut les retrouver dans les aliments d'origine animale, bien sûr, tels que le lait de vache, mais également dans les légumineuses, comme le soya, dans les noix, comme les noix de cajou, par exemple, et dans les céréales, comme l'avoine. En conclusion, les protéines sont en quelque sorte les matériaux et les constructeurs de notre corps. Elles jouent plusieurs rôles et permettent à nos cellules de fabriquer des molécules essentielles et utiles au bon fonctionnement de nos systèmes.